Bonsoir à tous, merci à ceux qui s'abonnent les gars, lâchez un pouce bleu, ça fait plaisir. Donc voilà quoi, aujourd'hui l'OM a été sérieux en fait à Lorient, c'est un truc de ouf. Bombardier, en fait c'était Bombardier aujourd'hui, il les a bombardés, c'est une dinguerie. Est-ce que vous avez vu son but en fait? Il a mis un but à la Zlatan, tu vois, il les a zlatanés, un truc de ouf. Franchement il a fait, je sais pas, il a fait du taekwondo là, c'est quoi ce délire là? Et voilà, comme j'ai dit, Marseille a été sérieux aujourd'hui, donc Marseille reprend la deuxième place. Ils ont été... Là, aujourd'hui, ils ont respecté le maillot. En fait, ils ont respecté la devise qui est sur le maillot, qui était d'aller droit au but. Tu vois. Là, ils sont allés droit au but. Tu vois. C'est pas droit au mur comme la dernière fois. À chaque fois, ils font des passes et tout. Je comprends pas en arrière qui servent à rien. Aujourd'hui, donc voilà quoi. Franchement, d'entrée de jeu, Marseille a mis la pression. Marseille a attaqué. Ils ont eu une possession qui était offensive. En fait. C'est-à-dire que voilà, ils avaient le ballon, mais c'était pour attaquer. Tu vois. À chaque fois qu'ils attaquaient, c'était dangereux pour Lorient. Et voilà, le gardien de Lorient, en fait, il les a laissés longtemps dans le match. Il a fait des arrêts magnifiques, faut dire la vérité, tu vois. Heureusement que lui, il a été là. Sinon, je pense que à la mi-temps, il y aurait eu peut-être 3-0 facile, tu vois, pour Marseille. Et voilà, quoi, c'était un match qui était plutôt facile pour Marseille. Voilà, c'est eux qui sont facilité le match. Et là, aujourd'hui, même si c'était sans Payet, les gars, un truc de ouf, en fait, sans notre meilleur joueur, tu vois, Payet qui était pas là, et t'avais Milik aussi qui était pas là. T'as Harit qui était pas là, c'était quasiment avec une équipe qui était remaniée. Cédric Bakambu, il était là, mais frère, il s'est blessé musculairement. Je comprends pas ce qui lui arrive en fait, alors qu'il joue pas beaucoup. Donc là, il était sorti. T'as Bamadjan qui est rentré en jeu, donc il a pris sa place. Et voilà, Bamadjan lui aussi s'est blessé. Moi, je comprends pas en fait. Il y a eu beaucoup de blessés aujourd'hui, tu vois, c'est un truc de fou, surtout musculairement, tu vois. Kai Takar qui est sorti pareil. Il y a 4 joueurs, t'as Gerson aussi qui est sorti, c'est quoi ce délire là? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, faut bien s'hydrater, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas aujourd'hui Marseille a été sérieux, ils ont, comme j'ai dit, ils ont été efficaces devant, ça a fait la différence, tu vois, et Bamba Dieng, il marque un but, il fait une passe décisive, franchement c'est magnifique. Gerson, t'as aussi Guendouzi, omniprésent, Guendouzi franchement c'est le seul mec qui est régulier en fait, il est bon à tous les matchs, c'est un truc de ouf. Donc voilà, aujourd'hui il a claqué son but, il mérite, même si sur son but et tout, tu vois, le gardien de Lorient, il n'a pas été, tu vois, voilà, il n'a pas été clair en fait, tu vois, parce qu'il a fait une faute de main, c'est ça s'est vu. Mais bon, Marseille méritait de gagner ce match, tu vois. Donc voilà, moi je ne comprends pas, comme j'ai dit, pourquoi Marseille n'a pas joué comme ça en fait contre Feyenoord. C'est quoi ce délire, tu vois? On sait qu'il y avait de la place et tout, ils ont la capacité de le faire. Et contre Feyenoord, en fait, ils ont fait plus de face en arrière que, tu vois, que vers l'avant. C'est pour ça, en fait, donc les joueurs de Feyenoord, ils étaient en place. Mais aujourd'hui, en tout cas, Lorient, même s'ils étaient plus faibles que Feyenoord, en tout cas, Marseille, voilà, ils ont produit du jeu, ils ont dominé, ils ont attaqué. Et franchement, c'était, voilà, ils ont géré le match, en fait, tu vois, à partir du 2-0, Marseille, ils se sont relâchés un peu. Parce qu'ils ont marqué 2 buts, ils se sont dit, ça y est, voilà, on va essayer de jouer, voilà, de gérer. Mais sauf que heureusement que Marseille n'a pas encaissé de but, parce que je pense que c'est ça le football, tu vois, tu encaisses un but, tu changes d'état d'esprit, et les autres, en fait, les Lorientais, là, ils auraient pu prendre l'ascendant. Mais bon, aujourd'hui, Mandanda a été bon, faut dire la vérité, même s'il n'a pas eu beaucoup d'occasions, enfin voilà, beaucoup d'arrêts à faire. Mais en tout cas, tu vois, dans la circulation du ballon, dans les passes et tout, il a été précis. Donc voilà, franchement, Mandanda, il assure en fait. Tu vois, on sait que quand c'est lui dans les buts, voilà, on n'a pas peur. En tout cas, aujourd'hui, Saliba, il sera suspendu dans le prochain match parce qu'il a accumulé 3 cartons jaunes en 9 matchs en fait. Donc voilà, Willian Saliba, on sait qu'il est bon. Camara, il a été incroyable en fait. Encore une fois, Pau Gay, il a été bon au milieu de terrain. Faut dire la vérité, toute l'équipe a été bonne. Tu vois, Under aussi, même si il n'a pas eu beaucoup de précision dans ses centres et tout. Il a été bon encore une fois, tu vois. Donc voilà quoi. Mais il a fait une passe décisive. Donc voilà, franchement, il a été bon aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, on avait beaucoup trop de blessés. C'est pas normal. Va falloir régler ça, ronger encore comme d'habitude, tu vois. Et j'ai aimé le match de Marseille, tu vois. Ils sont pas relâchés. Peut-être au bout, enfin, voilà. À partir du deuxième but, comme j'ai dit, ils sont relâchés un tout petit peu. Mais bon, ils ont repris la marche avant. Et Sampaoli, il a fait un truc au Lojnia et tout, il a eu quelques imprécisions techniques, tu vois, des fautes techniques, mais bon. Voilà, après, il y a Guendouzi aussi qui a fait, comment dire, voilà, qui a fait une petite erreur, mais heureusement que les Lorientais, ils n'ont pas marqué, tu vois. Donc voilà, Mofi au match aller, il nous a fait mal aujourd'hui, il était où, frère Mofi? Il s'est fait bouffer, je sais pas, on n'entend plus parler de lui, parce qu'il a claqué un doublé au match aller, c'est un truc de fou, en fait, il était inarrêtable, on dirait que c'était Messi. Aujourd'hui, en tout cas, il a été muet, tu vois, après, ils l'ont sorti. L'Orienté, frère, l'Orienté, il a rien fait. En plus, le mec qui s'appelle l'Orienté, c'est un L'Orienté, c'est un truc de ouf, en fait, c'est bizarre.
T'as Innocent aussi qui a essayé de s'énerver alors que voilà, il doit être innocent, mais bon, bref. Aujourd'hui, j'ai aimé. Plus 3 points, en plus de ça, on a aussi le goal average, en fait, tu vois, on est revenu en fait à hauteur de Monaco. Ça fait que là, on a le même goal average, en fait, tu as plus 23 pour Marseille et Monaco, parce que Monaco, ils avaient de l'avance. Heureusement que Marseille a mis 3 buts, c'est pour ça, en fait, tu vois. Faut souligner sur le goal average, donc faut soigner. Et même si on pouvait marquer 4, 5, 4 ou 5, fallait les mettre. On sait que Rennes, c'est impossible de les rattraper, ils sont à plus 41. Monaco, voilà, si jamais ils finissent deuxième et tout, enfin, avec le même nombre de points, ils pouvaient passer devant. Heureusement que Marseille a soigné le goal average aujourd'hui, ça fait plaisir. Enfin, une victoire, ça qui fait plaisir, en fait, tu vois, 3-0, c'est net et sans bavure, tu vois. Donc voilà, ils ont quitté la manette. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, prenez soin de vous, hasta luego.